C'était Thalassa avec Corem, complément retraite mutualiste. Bonsoir, dans un instant c'est Soir 3 et nous commençons par la justice qui a condamné l'armateur d'un cargo surpris en train de polluer au large de Brest à verser 400 000 euros de caution. En Espagne, l'assassinat d'un ancien élu au Pays Basque entache la campagne électorale des législatives de dimanche prochain. Et puis à deux jours du premier tour des élections municipales, nous suivrons des Européens qui ont choisi de voter en France. Et puis nous parlerons également du premier tour des élections cantonales, ce sera également dimanche prochain. Des élections moins connues, pourtant l'enjeu est important, des départements pourraient également basculer. A tout de suite. Pour apprécier les principes du design scandinave, installez-vous. Nouveau Volvo V50. Avec sa nouvelle collection d'interrupteurs, le grand crée une nouvelle source de plaisir. Une nouvelle source d'inspiration. Collection Céliane de Le Grand, inspirée par vous. Cas par cas remplace, enfin les fenêtres. Cas par cas. Remplace ou rénove. Au cas par cas. Samedi 8 mars, super cagnotte de 4 millions d'euros. Loto, à quel tour? Aujourd'hui, avec EDF, vous pouvez devenir producteur d'énergie solaire chez vous. Pour un conseil personnalisé et gratuit, appelez Bleu Ciel d'EDF au 3929. Colore le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Colore la foule, colore mes veines. Roquefort, un peu, beaucoup, encore. Bonjour, c'est la maison huis clos, nous avions rendez-vous. On vous attendait. Alors, voyons voir. Ah ! Alors, pour le remplacement de vos fenêtres, je vois huis clos. Maintenant, regardons la porte d'entrée. Je vois encore huis clos. Et enfin, pour le chauffage... C'est huis clos ? C'est tout vu. Huis clos, la qualité, ça se voit. Vous allez rire. On vous avait pris pour Gilbert Montagnier. Oh, on le dit souvent, ça. À présent, c'est à vous de prendre cette vie entre vos mains. D'instinct, il sait très vite reconnaître ce qui est bon pour lui. Whiskas met tout son savoir-faire pour préparer avec soin une alimentation saine et savoureuse qui lui apportera l'équilibre et la variété tout au long de sa vie. Whiskas, heureux ensemble. Le but ! C'est le but ! Les cuisines Mobalpa, des cuisines si bien pensées qu'on peut tout y faire les yeux fermés. Mobalpa, toutes les solutions sont là. Après les fêtes et le marathon des repas, on ne souhaitait pas vraiment la nouvelle année. La bûche de ta mère, formidable. Oh, s'il te plaît, on ne va pas recommencer. Alors nous, on a essayé le programme Activia. En 15 jours, ça m'a aidé à remettre de l'ordre à l'intérieur. Alors moi, Activia, du coup, c'est toute l'année maintenant. Attends, franchement, quand un truc marche, ben pourquoi l'arrêter? Ben oui. Activia, ben oui. Actif à l'intérieur. Nouveau, goûtez Activia saveur framboise. Ils sont de retour. Les hommes et les femmes du réseau Renault reviennent avec des offres d'un autre monde. Bienvenue sur Mars. Renault Clio à partir de 129 euros par mois. Et pour un euro de plus, 3 ans de garantie, 3 ans de révision, 3 ans d'assistance. Neuf mars.
mars 2008, deux élections locales majeures, les municipales et les cantonales. Pour la première fois depuis les élections de 2007, les Français vont s'exprimer dans les urnes. Sur France 3, dès 18h50, coup d'envoi d'une grande soirée sur le terrain avec 160 points de direct. Qui sera votre nouveau maire? 20h pile, premier résultat, première tendance dans les grandes villes. 20h35, les municipales dans votre région. 21h30, les premières couleurs du scrutin national. Toute la soirée, les 24 rédactions régionales et la rédaction nationale alterneront pour vous donner le maximum de résultats. Ballotage significatif et projection pour le second tour, analyse et commentaires avec les leaders politiques. En direct et au cœur de l'événement, grâce à l'implantation de notre réseau, une offre unique en France. Présentée par Audrey Pulvar et Louis Laforge, élection 2008. Dimanche à partir de 18h50. Et en direct sur France 3. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Keno. Découvrons tout de suite le multiplicateur, premier résultat de ce soir. Le 2, si vous avez joué au multiplicateur, vos gains seront donc doublés. Je vous souhaite maintenant bonne chance pour le tirage des 20 numéros gagnants du Keno. Ce tirage est comme toujours effectué sous le contrôle d'un huissier de justice. Les numéros gagnants sont le numéro 2, 70, 13, 11, 16, 36, 52, 65, 24, 53, 22, 23, 35, 45, 68, 58, 19, 25, le numéro 15 et pour terminer le 31. Les 170 000 euros du jackpot ont été remportés au premier tirage par un joueur des Vosges. Vous jouez donc pour un nouveau jackpot de 10 000 euros. Le numéro gagnant est le 8, 53, 79, 17. Joker plus pour finir, notez-le bien, il s'agit du 5, 434, 683. Très bonne fin de soirée à tous sur France 3, à demain. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un week-end maussade que nous allons passer avec une circulation de perturbations. Demain matin, on va en retrouver une sur l'est du pays avec de la neige sur l'ensemble des reliefs, ainsi que sur le Massif central et les Pyrénées. Et puis, à l'arrière, on aura quelques éclaircies, essentiellement présentes sur le sud-ouest, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation autour de la Méditerranée. Soleil sur le sud-est, la Côte d'Azur et la Corse, nuages. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler un peu par l'est, elle va se désagréger. Nous n'aurons que quelques pluies, avec beaucoup de nébulosité. Et puis, des Ardennes jusqu'au sud-ouest, présence un peu plus nette du soleil. Attention, il n'y a pas de nuages ici, mais il faut quand même l'imaginer, il s'est envolé, paf. Et puis à l'arrière, nous avons un ciel grisonnant avec du vent qui se lève à 70 km par heure autour de la Méditerranée. Toujours des nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. Les températures pour demain matin, de 0 à 7 degrés sur le territoire. Mais regardez les températures ressenties avec le facteur vent. Regardez la ville qui vous concerne, par exemple à Brest. Au lieu de 5, il fera 0 degrés avec le facteur vent. Les températures de l'après-midi, elles remontent sur Bordeaux, 14 degrés sur le sud, 17 degrés à Montélimar. 12 à Paris. Je propose de découvrir la suite. C'est dimanche. Ciel de traîne très actif, grésil, orage, vent sur la façade atlantique. Pluie également, neige sur les Pyrénées. Température stable. Et lundi, attention, une tempête arrive sur nos côtes par le nord-ouest avec des vents jusqu'à 110 km par heure, des pluies très soutenues et des rafales à l'intérieur jusqu'à 90 km par heure. Sur le sud, le soleil revient. Embrassez tout le monde et surtout les Étienne dans un instant. Francis Letellier. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. Marie-Claire, du 3 au 9 mars 2008, vous aidez les petites filles d'aujourd'hui à devenir des femmes libres.
Merci de leur donner à toutes la chance d'aller à l'école. Ce que j'ai ressenti, c'était incroyable. J'avais un contrôle parfait de la voiture et en même temps une sensation d'agilité vraiment nouvelle. Je sentais chaque détail de la route comme si j'étais collé à elle. La voiture répondait parfaitement. C'était à la fois fluide et précis. Tu me crois pas, c'est ça? Ok, à toi de l'essayer. Pour vivre en sucre d'orge. Messieurs, je l'ai tout par gel, je les commande en un appel. Pour recevoir un catalogue gratuit, appelez le 3213 et dites tout par gel. Faites appel à tout par gel. Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. Colore la foule, colore les veines. Roquefort, un peu, beaucoup, encore. Je ferai moins de compromis. Il ne m'apporte rien. Pourquoi se contenter de si peu? Juste parce que les autres le décident? Ce sont mes principes. Et il est temps de les tenir. Si vous pensez que ce n'est pas un endroit sûr pour une femme, attendez qu'elle soit de retour à la maison. Une femme sur 6 en Europe est victime de violences domestiques et il est grand temps que cela cesse. Le Conseil de l'Europe, défenseur des droits de l'homme, vous demande d'oser en parler, que vous soyez témoin ou victime. Après les fêtes et le marathon des repas, on ne s'était pas vraiment la nouvelle année. La bûche de ta mère, formidable. Oh, s'il te plaît, on ne va pas recommencer. Alors nous, on a essayé le programme Activia. En 15 jours, ça m'a aidé à remettre de l'ordre à l'intérieur. Alors moi, Activia, du coup, c'est toute l'année maintenant. Attends, franchement, quand un truc marche, ben pourquoi l'arrêter? Ben oui. Activia, ben oui. Actif à l'intérieur. Nouveau, goûtez Activia saveur framboise. I can see. Nouveau Fixo Dent Pro anti-particules fraîcheur. Grâce à son embout précis, il fixe votre appareil, réduisant ainsi le développement de bactéries. Pour vous aider à garder une sensation de fraîcheur et de propreté, Fixo Dent Pro est la vie à du mordant. Que vous soyez Adam et Ève, trois mousquetaires, sept nains ou 40 voleurs, toutes les largeurs de matelas Maison de la Literie sont au même prix. Maison de la Literie, dormez largement mieux. Trois ans qu'on subit cette foutue sécheresse et tout ça parce qu'on va pas au bon endroit. De quoi tu parles? Je te parle de Sassner, là où il y a de l'herbe toute l'année. Cet endroit est maudit. Il est trop jeune pour vous souvenir. Ça a commencé par des bruits étranges, comme des pas sur le toit. Et puis un jour, un homme s'est ouvert le doigt avec un croc. Et après que les vaches sont tombées malades. On est au 20e siècle, comment peux-tu croire des choses pareilles? La malédiction existe et tu peux rien contre. Mort mystérieuse, troupeau décimé. Les drames du passé sont-ils condamnés à se répéter? Sassner vous tuera. Ça recommence. La grande peur dans la montagne. Demain, à 20h50, sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. La campagne électorale en Espagne s'est brutalement arrêtée après l'assassinat d'un ancien élu socialiste au Pays Basque. Les autorités y voient clairement la marque de l'ETA. L'heure du rapprochement est arrivée entre le président colombien Alvaro Uribe d'un côté et Hugo Chavez et Rafael Correa de l'autre. Après une semaine de tension, ils ont annoncé ce soir qu'ils voulaient mettre fin à la crise diplomatique.
À deux jours du premier tour des élections municipales, nous allons voir ce que les Français attendent de leur maire, un scrutin auquel participent également de plus en plus d'Européens. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au salon Galaxy Foot qui a lieu en ce moment à Paris pour les mordus du foot en salle, sur la plage, en vidéo, entre autres. L'Equador Star, c'est le nom du cargo arraisonné au large de Brest pour avoir dégazé au large. Il ne pourra repartir qu'après avoir versé une caution de 400 000 euros. La justice continue de traquer les pollueurs des mers. Dans le Finistère, Claire Louet et Christian Paulet. C'est lors d'un survol de routine que l'avion des douanes a surpris hier le porte-container L'Equador Star, avec dans son sillage une nappe d'hydrocarbures de 25 km de long. Cela s'est passé dans les eaux françaises, à une centaine de kilomètres des côtes, à l'entrée du Raid Ouessant. Le navire battant pavillon libérien avait quitté Lisbonne avec 4000 tonnes de bananes qu'il devait acheminer vers Portsmouth. Mais sur décision du procureur de Brest, le bateau a été contraint de faire escale dans le port de la cité du Ponant. En début d'après-midi, les autorités françaises sont montées à bord pour notifier au commandant l'immobilisation du bateau. J'ai également notifié une décision de cautionnement que j'ai fixée à 400 000 euros et qu'il appartient donc à l'armateur de verser pour que le bateau puisse quitter le port de Brest à l'issue des investigations qui sont menées. C'est une pollution par rejet opérationnel. Tout au moins, lorsque l'équipage a été questionné par le pilote d'aéronef, il n'a pas fait état d'un accident ou d'une avarie quelconque. Le commandant et les marins, tous polonais, ont été entendus et le navire fait l'objet d'un contrôle minutieux. Cette pollution volontaire est la première depuis l'été 2007 à Brest. En 5 ans, on est passé de 14 déroutements de bateaux pollueurs donc en 2004 à 3 en 2007. On sait qu'il y a une bonne surveillance au large des côtes de France, qu'il y a par ailleurs des sanctions rigoureuses à la clé. Donc incontestablement, ça influe sur le comportement des bateaux. Maintenant, est-ce que deux explications sont possibles? Les bateaux sont soit plus vertueux, soit ils prennent leur disposition pour opérer leur rejet plus loin des côtes françaises. L'équipage du porte-container passera le week-end à Brest en attendant que l'armateur anglais règle la caution. Cela ne sera de toute façon pas possible avant lundi matin à la réouverture de la trésorerie. L'image d'un autre cargo, antillais celui-là, qui s'est échoué sur une falaise près de Fontarabie au sud d'Andaï. Aujourd'hui, victime d'une panne de machine, il devait aller chercher de la ferraille. 4 remorqueurs ont été mobilisés pour le sortir de là en fin d'après-midi. Les 6 membres de l'Arche de Zoé pourraient être graciés par le président tchadien, mais il faudra cependant payer les 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Les familles de détenus n'en ont pas les moyens et pour l'instant, le gouvernement français ne veut pas payer non plus. Les explications avec Didier Brignan. Bientôt libres, les 6 membres de l'Arche de Zoé pourraient sortir de prison prochainement à la suite de l'annonce du président tchadien, Idriss Déby. Je suis prêt à... pardonner, en fait, disons, ce n'est pas, je pense, que le mot, mais accepter la demande de grâce. La grâce tchadienne n'a jamais été aussi proche. Elle pourrait intervenir d'ici la fin du mois, peut-être la semaine prochaine. Mais il y a une condition, loin d'être réglée. L'indemnisation des familles tchadiennes, 6,3 millions d'euros, doivent leur être versées par les membres de l'ONG. Il s'agit de sommes exorbitantes. Aucune des familles n'est en mesure de régler ne serait-ce que le millième de ces sommes. Donc il est évident que là, le sort des familles, enfin des membres d'Arche de Zoé ne dépend plus des familles, mais dépend essentiellement de l'État français. Depuis le début, politique et justice sont étroitement mélangées dans cette affaire. Et c'est sans doute du côté de la diplomatie que viendra le dernier coup de pouce. Il y a toujours des difficultés, vous les soulignez tout le temps. Mais il y a aussi quand même une évolution qui me paraît heureuse, n'est-ce pas? Donc, voilà, oui, c'est pas le gouvernement de payer et en même temps, il faudra trouver une solution. Aujourd'hui, le gouvernement tchadien a annoncé le retour des 103 enfants dans leur famille. Jusqu'à présent, ils étaient à la charge de l'UNICEF dans un orphelinat. Le soldat français de l'Euphore, la force européenne présente au Tchad, tué lundi lors d'accrochage avec l'armée soudanaise, a reçu les honneurs militaires aujourd'hui lors d'une cérémonie à l'aéroport de Khartoum. Il doit être rapatrié en France dans les heures qui viennent. Une nouvelle fois, le terrorisme en Espagne. Un ancien élu socialiste a été abattu aujourd'hui au Pays Basque. La campagne électorale a été immédiatement stoppée. La question est de savoir si cet assassinat influencera les Espagnols dimanche dans les urnes. Un scrutin pour lequel les socialistes sont donnés favoris. Le commentaire de Sylvain Lequen. Isaias Carrasco a été abattu devant sa femme et sa petite-fille dans ce quartier de Mondragón,
alors qu'il sortait de son domicile. Un homme lui a tiré plusieurs balles dans le dos avant de s'enfuir. Touché à la tête et à la poitrine, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. L'assassinat de cet ancien élu local socialiste n'a pas été revendiqué, mais le ministre de l'Intérieur espagnol l'a immédiatement imputé à ETA. ETA a assassiné Isaías Carrasco à Mondragón. C'est un acte ignoble, un acte lâche qui nous révulse, perpétré par un groupe d'assassins. Le visage crispé, José Luis Zapatero a exprimé son indignation. Les terroristes ont voulu interférer dans la volonté pacifique des citoyens de se rendre aux urnes. Mais la démocratie espagnole a déjà démontré qu'elle ne céderait pas devant ceux qui s'opposent à ses principes fondamentaux et ses valeurs essentielles. Depuis l'attentat perpétré par ETA à l'aéroport de Madrid en décembre 2006, le gouvernement de José Luis Zapatero avait rompu toute négociation avec le groupe séparatiste basque. Ce soir, les principaux partis politiques espagnols ont décidé d'annuler tous leurs meetings en ce dernier jour de campagne, mais les élections auront bien lieu dimanche. Et puis en Israël, les 8 victimes de l'attentat revendiqué par le Hamas dans une école talmudique de Jérusalem ont été enterrées aujourd'hui. Les mesures de sécurité dans la ville et dans tout le pays ont été renforcées. Pendant ce temps, à Gaza, plusieurs groupes de militants du Hamas ont célébré cet attentat. Gaza qui s'attend désormais à subir de nouveaux raids aériens. Après une semaine de tensions et de crises diplomatiques, les présidents colombiens, vénézuéliens et équatoriens ont conclu la paix ce soir lors du sommet des pays sud-américains à Saint-Domingue. Après la mort du numéro 2 des FARC la semaine dernière, commandité par la Colombie, le ton était monté. Le point avec Mémona Interman. Saint-Domingue, l'heure des règlements de compte. Le sommet des 20 pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes serait passé presque inaperçu. Il est devenu explosif. Une fois de plus, le président du Venezuela fait monter les enchères. Nous devons choisir entre deux chemins, la guerre ou la paix. Notre camp veut ardemment la paix. Malheureusement, le gouvernement colombien veut lamentablement la guerre. Atmosphère à l'ouverture du sommet, une vraie foire d'empoigne. En ligne de mire, le président colombien Álvaro Uribe. Face à lui, Rafael Correa, son homologue de l'Équateur, est vert de rage. Il exige des excuses. La raison, l'armée colombienne est entrée illégalement chez le voisin en Équateur pour exécuter un chef des FARC. C'était dimanche dernier. Quand nos soldats sont arrivés sur les lieux des combats, ils ont trouvé un vrai massacre. Il y avait des morts partout, des blessés abandonnés. Tout ce que le gouvernement de Uribe a dit, c'est un pur mensonge. Ils avaient clairement calculé et planifié leur attaque. Mais Álvaro Uribe ne se laisse pas vraiment intimider. Je suis face à des nostalgiques du communisme qui abusent leur peuple avec cynisme. Et finalement, un scénario digne de la Comédia dell'Arte. Uribe, Chavez, Correa se réconcilient malgré un regard qui en dit long. Question, que vont devenir les otages? À Paris, on garde espoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas digéré? Nous nous obstinons et nous voulons sauver Ingrid Betancourt. C'est un mouvement national et c'est devenu un mouvement international. Mais complications supplémentaires. Ivan Rios, ce commandant des FARC, a été tué aujourd'hui. C'est donc le deuxième haut responsable des rebelles en moins d'une semaine. Venons-en à l'actualité en France et d'abord cette dernière minute. Cécilia Siganer-Albéniz, ex-Cécilia Sarkozy, a été entendue aujourd'hui dans l'enquête sur le SMS que le président de la République lui aurait adressé avant de se marier avec Carla Bruni. Une information qui avait été révélée par le Nouvel Observateur. Et aux enquêteurs, l'ancienne épouse de Nicolas Sarkozy a indiqué ne pas avoir reçu ce message. Les élections municipales en France approchent le premier tour, c'est dimanche prochain. Dans la Nièvre, les maires de plusieurs communes de la région de Clamecy ont décidé de ne pas organiser le scrutin pour protester contre la fermeture de la maternité. Les bureaux de vote seront tenus par du personnel de la préfecture. Le récit de Dominique Marie. Madame le maire aurait dû coller ses dernières affiches de campagne. Elle a préféré afficher des panneaux annonçant le désert médical imposé à sa commune et aux villages environnants. On est en train de perdre
beaucoup de services et le plus symbolique, la maternité. Avec Taconnet, ce sont 72 communes qui refusent d'organiser les élections de dimanche prochain pour défendre la maternité de l'hôpital de la région. Pour nous, c'est un abandon, c'est un sabotage, c'est quelque chose de complètement illégitime. Donc nous, ce qu'on fait, c'est illégal, mais c'est complètement légitime. La fermeture du service est prévue dans un mois. Une fermeture vécue par la population comme un nouveau symbole de la désertification des campagnes. La maternité à Clamecy, c'est quand même quelque chose d'important. Toutes les mamans qui passent par là ne se voient pas faire des 40, 50, 60 km pour aller accoucher. En mairie, c'est toujours le front du refus. Ah oui, je refuse donc toute réquisition. Et tous les élus municipaux de Clamecy refusent. Bien décidés à ne pas organiser les scrutins, les maires ont reçu la visite des gendarmes, le préfet les a réquisitionnés, mais ils ne devraient pas changer d'avis. Ça va se passer mal pour le préfet dans pas mal de communes. Ce que je souhaite, moi, c'est que ce soit dans un maximum de communes. Si on dépasse la trentaine de communes qui restent fermes, le préfet aura d'énormes difficultés à organiser. Dans l'urgence, la préfecture a formé une centaine de fonctionnaires pour tenter d'assurer les élections. Les maires en infraction, eux, jouent gros. Ils encourent un mois de suspension, voire même la révocation de leur mandat. Alors à propos des élections municipales, il faut savoir que depuis 1992, tout ressortissant de l'Union européenne installé en France peut voter et être candidat. Ils sont de plus en plus nombreux, d'autant que l'Europe s'est agrandie depuis 2001 et ils ont aussi envie d'agir. Témoignage recueilli par Marie-Pierre Courtelmont et Yvon Baudin. Et en avant pour deux pizzas, Doué. Le service vient à peine de commencer et ce pizzaiolo est très concentré au point d'en avoir oublié les élections municipales. Personne m'a dit rien. Je sais pas. La porte d'à côté, le fournisseur de produits italiens garanti d'origine, est installé ici depuis 33 ans et dimanche, il votera pour la première fois en France. On a souffert en déplacement, donc c'est bien que maintenant on nous reconnaisse qu'on peut exprimer notre opinion dans les pays qu'on a choisi dans lesquels travailler. Ambiance plus cosy chez cet expert comptable. Un passeport allemand qui jouxte une carte électorale bien française. Après 35 ans en France, on se sent beaucoup, certainement très à l'aise dans ce pays-là et on aimerait bien de participer et de prendre une certaine même responsabilité pour la vie quotidienne. Les responsables communautaires considèrent que ce vote est une étape essentielle dans la construction de l'Europe. On réfléchit. Qu'est-ce qu'on propose dans ma commune par rapport à l'Europe? Ça peut être des choses très pratiques comme les jumelages, ça peut être les écoles, ça peut être regarder où sont des fonds européens dans des réalisations dans ma commune. Mais depuis longtemps, d'autres étrangers réclament eux aussi la possibilité de voter sur notre territoire. Ils ne comprennent pas pourquoi un Maltais, installé ici depuis 2 ans, aurait plus de droits qu'un Algérien qui vit en France depuis 40 ans. Ce reportage tourné à Paris par Marie-Pierre Courtelmont, qui est avec nous sur le plateau ce soir. Vous nous avez réalisé des reportages tout au long de ces semaines sur les enjeux dans les grandes villes pour les municipales. Quels sont les sujets qui mobilisent les électeurs pour ces élections, ce que vous avez pu voir? Alors la première préoccupation des citoyens dans cette campagne municipale 2008, c'est le logement. J'ai entendu beaucoup d'électeurs interpeller les candidats sur la possibilité qu'ils pourraient offrir aux habitants de se loger à des prix corrects dans le centre de leur ville. Viennent ensuite les transports, même si la plupart des grandes villes sont aujourd'hui équipées de tramways ou de métro. Les électeurs demandent encore plus de possibilités différentes de transport et d'ailleurs plus globalement en fait un meilleur cadre de vie avec des espaces verts, des immeubles ravalés, bref, des villes encore et toujours plus propres. Alors ça, c'est les sujets qui les préoccupent, mais qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de leur maire? Ils veulent un maire à temps complet qui ne soit pas occupé par d'autres mandats ou d'autres responsabilités nationales. Un maire qu'ils puissent croiser dans les rues ou rencontrer à l'hôtel de ville pour pouvoir l'interpeller au quotidien. Et d'ailleurs, tous les sondages donnent gagnant facilement, voire même dès le premier tour, ces maires qui se sont pratiquement exclusivement consacrés à leur ville. Mais à l'ensemble de ces thèmes qui sont un peu récurrents, le logement, le transport, le cadre de vie, vient systématiquement désormais s'ajouter le lamento sur le pouvoir d'achat, sur le panier de la ménagère. Et là, l'enjeu des municipales devient bien évidemment plus national. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette analyse ce soir.
Pendant 7 heures, le maire de Steenbeek, près de Dunkerque, a été séquestré par un employé municipal qui a été licencié. Il le menaçait avec une carabine, l'accusant de ne pas l'avoir aidé à retrouver un emploi après un accident du travail. L'homme s'est rendu en début de soirée, il y a un peu plus de 10 ans. Il avait déjà agressé l'élu avec un couteau. 3, c'est notre chiffre ce soir. C'est le nombre de femmes présidentes de conseil général en France sur 102 départements. Un chiffre à la veille de la Journée internationale des femmes qui illustre bien que la parité est encore loin d'être une réalité. Et dimanche, justement, auront lieu les élections cantonales en même temps que les municipales. Elles passent un peu plus inaperçues parce qu'elles ne concernent qu'un canton sur deux, donc pas tous les électeurs. Pour en parler avec nous ce soir, Michel Rouzeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur à l'Assemblée des départements de France. Des cantonales qui ont lieu le même jour que les municipales. On ne peut pas dire que ça aide les électeurs à y voir clair, ça. Au contraire, vous savez, on dit souvent qu'en France, il y a trop de scrutins. Mais là, au moins, les élections locales sont regroupées. D'ailleurs, les Français ont l'habitude de ces scrutins. Ils votent régulièrement aux élections cantonales et aux élections municipales. Regardez les États-Unis, qui est un pays où on vote 5 ou 6 fois le même jour pour des élections différentes et où on dit que personne ne s'y retrouve. Oui, mais vous voyez ce que ça donne dans les rues ou sur les panneaux électoraux. On voit des listes pour les municipales à côté des candidats pour les cantonales. Parfois, ça se ressemble. Je vous jure que les électeurs, parfois, s'y perdent. Mais, oui, mais comme vous le dites vous-même, il y a deux modes de scrutin différents. D'un côté, un scrutin de liste et de l'autre, pour les conseillers généraux, précisément, un scrutin, on dit uninominal, c'est-à-dire on vote pour une personne dans un territoire, le canton, avec, et c'est la nouveauté, effectivement, pour favoriser la parité, un suppléant de sexe opposé, en effet. Un canton sur deux est renouvelé tous les 3 ans. Ce sont des élus qui siègent au département, le conseil général, donc conseil général, département, déjà, c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Est-ce que ce mode de scrutin est encore adapté à notre époque, ce renouvellement-là, tous les 3 ans? Alors, effectivement, un renouvellement par moitié tous les 3 ans, ce n'est pas très simple du point de vue de la conduite d'un projet qui, souvent, appelle plus d'années, sans doute 5 ans, peut-être 6. Et la plupart, aujourd'hui, des présidents de conseils généraux qui réfléchissent à l'organisation, à la gouvernance, plaide pour un renouvellement intégral, précisément, de l'Assemblée départementale. Une seule fois, quoi. Tous les 6 ans, on y viendra peut-être un jour. C'est au législateur de le dire. À condition que les départements existent encore, les conseils généraux, parce que le rapport Attali estime que c'est un échelon de trop aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison de les garder. Alors, vous le savez, cette proposition a été déjà écartée. Mais pourquoi d'ailleurs supprimer à la fois ce qui marche bien et en plus ce qui existe ailleurs? Ce qui marche bien, puisque dans le domaine des solidarités sociales et territoriales qui sont les compétences des conseils généraux... C'est-à-dire quoi, par exemple? C'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, personnes handicapées, le revenu minimum d'insertion, mais aussi les solidarités territoriales, les collèges, les transports scolaires, toutes ces compétences, ça marche bien. Et ça existe ailleurs, puisque contrairement à ce qu'on dit souvent, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, il y a des provinces, il y a des counties au Royaume-Uni, donc ces niveaux intermédiaires-là, ils existent dans d'autres pays d'Europe. En un mot, sur les enjeux politiques, quels sont les rapports de force entre départements de droite et de gauche, à l'heure qu'il est? Alors vous savez que ces élections locales sont souvent moins politisées que les élections nationales. Néanmoins, il y a un enjeu politique. Il y a 52 départements qui sont aujourd'hui présidés par ce qu'on appelle un exécutif, un président de conseil général de gauche, une cinquantaine donc à droite. Et aujourd'hui, effectivement, ou plus exactement le 20 mars, puisque c'est le 20 mars que seront élus les présidents, eh bien, chacun se comptera et on regardera si le rapport de force, qui évolue plutôt vers la gauche depuis, historiquement, depuis une vingtaine d'années, on verra s'il évolue. Merci beaucoup, Michel Rouzeau, d'être venu nous dire tout ça ce soir en quelques minutes. Bonsoir. Dans l'actualité économique, Air France annonce la suppression ou la réduction dans les prochains mois de plusieurs vols en partance d'Orly vers Avignon, Rennes, Lyon, Bordeaux, à plus long terme vers Marseille ou Montpellier. 1 millier d'emplois seront supprimés à cause de la concurrence du TGV, d'après la direction, qui précise qu'il n'y aura aucun licenciement. Près de 13 000 mètres carrés d'exposition consacrée uniquement au football, sous toutes ses formes. Ça se passe ce week-end, à la porte de Versailles à Paris, où se tient le 3e salon Galaxy Foot, un véritable paradis pour les passionnés, comme ceux que Benoît Véran et Yvon Baudin ont rencontrés. L'amour. Un amour. Une passion. Super. La joie. Drogué du foot. Quelle déclaration pour le sport préféré des Français. Cette année, on attend près de 40 000 visiteurs. Tous les footballs sont au rendez-vous. Du futsal qui se joue à 2 ou 3 par équipe, très sportif, au beach soccer sur une plage improvisée et aussi la nouvelle attraction, le football freestyle. On jongle avec le ballon, dans la rue ou dans son salon, c'est la dernière folie du moment. On est devenu à une forme de foot qui est super popularisée. Il faut le stade, il faut des buts, il faut des règles, il faut des équipementiers. Et à bout d'un moment, des jeunes qui commencent à sortir du circuit parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens ou les armes de s'imposer, ils sont revenus à une forme plus basique. Il suffit d'un ballon et c'est tout. Vous voulez être agent de joueur et gagner plein de sous, devenir footballeur et être connu? C'est ici, sur le Pôle emploi, où on peut trouver un métier dans le football. Ou alors, vous pouvez vous la jouer. Vous êtes Fabien Barthès? Oui, c'est vrai, c'est moi. C'est vous? Incognito.
Juste un repérage pour recruter quelques joueurs pour l'école de football. C'est ça, oui. Par contre, être Ronaldinho ou Ribéry, c'est possible, mais en virtuel. Ah ouais, le fait de contrôler une star, ça fait plaisir. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce que représente le marché des jeux vidéo sportifs en France. Les jeux de foot engrangent à eux seuls 103 millions d'euros, une manne pour les fabricants. Les jeux vidéo de football, c'est un marché qui est en constante augmentation. On est à entre 1,5 million et 2 millions de jeux de foot vendus par an, que ce soit du management ou de la simulation. Aujourd'hui, c'est plus important que la musique. C'est quasi le deuxième produit culturel, je crois, vendu en France en 2007. Le foot, c'est un sujet qui est universel. Donc forcément, le jeu vidéo de foot, c'est forcément un gros phénomène. Et surprise, malgré la suprématie des jeux vidéo, le bon vieux baby-foot de bistrot reste toujours aussi populaire. Et puis encore une dernière minute pour vous signaler que l'ex-sprinteuse américaine Marion Jones, condamnée en janvier dernier à 6 mois de prison ferme pour avoir menti à la justice américaine dans une affaire de dopage aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, vient d'entrer en prison au Texas pour purger sa peine. Demain, pour le 12-13 et le 19-20, vous retrouverez l'efficace Catherine Matoche. Je vous retrouverai quant à moi pour Soir 3 à 22h40. Bonne soirée, merci, à demain. Sur lui, on a tout dit, mais on oublie trop souvent le mot-clé qui le caractérise. Talent. Suivons Iselin en chemin, tout de suite sur France 3. Moi, je veux plus de bébé. Je vis chez mes parents. Si vous ne me trouvez pas un logement, mais je vais finir par faire une bêtise. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en France, la contraception est interdite. Grâce à Lucien Neuwirth, un enfant quand je veux, si je veux. La capote ? Mais il veut pas en mettre. J'ai pris ça comme un défi. Une pilule est testée actuellement pour bloquer l'ovulation. C'est légal ? Non. Et vous estimez avoir une vie sexuelle épanouie ? Oh non. La femme devenait libre de son corps. Ça me paraissait logique. Merci. Monsieur Henriet, vous avez la parole. Je m'attendais pas à certaines ignominies. Et la pire que j'ai reçue, c'est un fœtus. Notre seul vrai soutien, c'est l'opinion publique. Et la presse. La pilule fête ses 40 ans. À l'occasion de la journée de la femme, retour sur une liberté acquise de haute lutte. Demain à 23h sur France 3. Ça va, c'est bon. Attends. Avec la technologie HDI, consommez moins. Citroën C4 Airplay HDI 92 suréquipé avec 3200 euros d'avantage client. Arrêtez cette machine de... Pour vendre votre bien immobilier, entreparticulier.com. C'est rapide.